Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une collection. Alors, d'une petite collection qui est une grande collection assez très très connue. Et je vais commencer par le premier, par la première collection. Non, par le début, quoi, parce que faut dire que j'ai pas fait de vidéo. Quand j'ai reçu c'est même pas un colis, c'est ce que j'ai recherché. Voilà. Vous savez, on est beaucoup sur Internet d'être fidèle à quelque chose, d'aimer quelque chose, à une passionnée de l'époque. Même jusqu'à aujourd'hui, on est passionné de ce qu'on aime. Voilà. Et je vous présente la collection de Goldorak que j'ai en train de faire. D'accord, ça c'est les premiers épisodes de Goldorak. Donc normalement il y en a 5 épisodes de Goldorak. Bien sûr, ceux qui l'ont connu vont être contents. En même temps, voici. Voilà le nombre de DVD. Et bien sûr, le collector de Goldorak. Voilà, Orange Goldorak, je vais faire bien ça correctement. Voilà, pour rangement des DVD de Goldorak. Donc, vous enlevez au milieu, ce qui donne ça. Après, là, c'est toutes ces petites choses, fascicules, tout ça. Pour la collection de Goldorak, tout simplement, ça se range comme ça. Bon, écoutez, à chaque fois je me trompe. Voilà. Voilà, ça se range comme ça. Donc, tout simplement, voilà. Donc, pour votre information, je recevrai 2 DVD tous les mois pour 5,99€. Voilà. Et quand on est fan de quelque chose qu'on aime bien, ben on va aller jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Un Didalros, Minos, tout ça. Voilà. Avec Alcor, Albator. Alors Albator, c'est celui qui est qui pilote Goldorak, voilà, tout simplement. Et voilà. Bon, alors je vais faire la suite. Donc, il faut dire, moi pour l'instant, j'utilise pas le chose parce que je n'utilise pas pour l'instant. Ça ne sert à rien pour l'instant parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de DVD pour le rangement. Bon, bref. Autre chose, voilà, j'ai parlé, toujours, on continue, ça n'a pas demandé de tomber, deuxième DVD, je ne sais même pas si c'est le deuxième, celui-ci, alors bon, c'est un peu embêtant, voilà, numéro 3 et numéro 1, numéro 2. Voilà, numéro 2, la collection numéro 2, DVD numéro 2, d'accord, ça c'est numéro 2 et numéro 3, bien sûr, pour votre information, je collectionne, c'est Hachette qui fait ça, d'accord, alors, petit cadeau en plus, un petit fascicule, un petit cahier, vous voyez, des dessins, vous voyez, c'est grand comme ça, et c'est tout le dessin de Goldorak à la main, dessiné à la main, hein, tout simplement. Plus, ça c'est la facture, 5,99€, pardon. Et bien sûr, petit cadeau en plus, qui est franchement
Voilà. Un petit collector. Super bien. Super sympa. Le Goldorak. Donc moi j'aime bien les tasses. Faut le dire. Bon, je vais le mettre à laver. J'aime bien. C'est des choses que j'adore. Alors donc quand. J'adore, franchement. Voilà, c'est officiel. Hein. Comme je vous le dis. Donc tout simplement. Alors pour cela. Cela qui ne change pas. Alors on va déballer le numéro. C'est le numéro 3. Voilà, c'est le numéro 3. Numéro 3. Voilà. Toujours. Hein. Même chose. Bien sûr, attention que les jaquettes ne sont pas toujours les mêmes. Le bouquin, le livre, hein, donc tout simplement, toujours un poster, hein, compris dedans, vous voyez, donc alors pour ceux qui connaissent Goldorak, bah, ils seront contents hein, de connaître très bien Goldorak, et d'autres, bon. Alors moi, tout simplement, je suis énormément content de Goldorak parce que j'adore ce dessin-là. Et là, bon, maintenant, c'est des sachets qui vont à la poubelle. Donc voilà. Là, je mettrai tout ce qui est là, tout dans le gros carton là-bas. Donc je mettrai tout dans le gros carton, tout simplement. Donc je mettrai tout là-bas. Voilà. Et pour Goldorak, là. Je vais l'ouvrir tout à l'heure parce que je vais le regarder. Dès que je l'ai, je regarde. Je suis comme ça, j'aime bien regarder. Voilà. Alors, le numéro 3, comme d'habitude. Voilà. Toujours le poster au milieu. Voilà. Voilà pour ceux qui sont fans de posters. Donc, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un poster, mais. J'aime bien garder, connaître cette histoire de Goldorak. Ça fait longtemps que moi, Goldorak, je suis un fan. Hein, ça fait extrêmement longtemps. D'accord. Ça fait très très longtemps que je suis fan de Goldorak. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça en va. Donc voilà. Et donc voici. Là, voici le troisième CD de Goldorak. Bien sûr. Voilà. Et donc bien sûr, qu'est-ce qui est bien, c'est que on redécouvre ce qu'on a vu. Et là, c'est quasiment en haute définition. Hein, c'est pas du HD, mais c'est quand même de la haute définition parce qu'ils ont fait une masterisation totale de la fameuse série culte de Goldorak. Voilà, tout simplement. Et ben voilà. Donc, vous verrez prochainement d'autres vidéos que je parlerai, bien sûr, de la suite de tous les trucs de Goldorak. Pourquoi je ne raconte pas le film? Parce que c'est à vous de découvrir vous-même Goldorak. Par, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire aussi sur achète.fr et commander, faire votre commande. Ou sinon, aller carrément sur Fnac.com. Alors, sur Fnac.com, il y a 59 euros. Et pour votre information, 59 euros, c'est un seul petit truc, donc vous n'avez pas le collector. Vous aurez le collector, vous n'aurez pas le gros collector que moi j'ai. Donc voilà, bien sûr, moi c'est DVD par DVD. Et cela, ça va être comme mon Albator, qui est en plusieurs DVD à l'intérieur, mais je n'aurai pas le collector de 4 heures. J'ai la collection. De 80, bah disons, le collector 89, non, pardon, j'ai Albator 78 et Albator 84, voilà ce que j'ai, d'accord, mais tout simplement, ce n'est pas le gros collector, parce qu'il y a plusieurs collecteurs d'Albator, comme Goldorak, et Goldorak c'est très spécial, parce que je vais en parler un peu sur cette vidéo, parce que Goldorak, il y a un hic, a été beaucoup dès qu'il est sorti en dessin animé en France,
Il ne l'est jamais sorti en cassette vidéo. Jamais. Depuis que ça a été fait. Ça a été une certaine année. C'était venu en France. Et c'était quelques jours après. Il était obligé d'envoyer les vidéos. Et en plus, c'était du DVD. Qui a été renvoyé au Japon. Parce que voilà, c'était pas le moment d'envoyer en France. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Alors. Pour ceux qui ont Goldorak, qui sont satisfaits de Goldorak, qui peuvent en parler, parce que eux, c'est des fans de Goldorak, ils ne peuvent en parler. Moi, ça fait longtemps que je connais Goldorak, c'est pareil. Il y a même un autre dessin animé que j'aurais bien voulu avoir, mais bon, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, voilà, il y a Candy qui est même pas encore en collector, il n'a jamais sorti en collector, tout simplement. Ben voilà, voilà, donc voilà, tout simplement, moi je collectionne Goldorak actuellement. Et comme j'ai un projet entre temps, donc ça m'arrangera beaucoup, beaucoup d'avoir ça, parce que ce que je veux faire, c'est extraordinaire, ce sera même très bien qu'ils vont avoir ça dans mes services. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, tout simplement. Moi, je vous remercie. À la prochaine vidéo, et je vous en parlerai d'autres choses encore. Et bien sûr, il n'y a pas que la collection de Goldorak, hein, il y a aussi. D'autres informations qui vont venir, que je parlais aussi de sonorisation, toujours, parce qu'il y aura une nouvelle sono qui va pas tarder à arriver. Ma sono elle-même, c'est toujours là, mais j'aurai bien sûr une toute nouveauté. C'est bien sûr un caisson qui va arriver, et on en aurait besoin dans pas longtemps. Et donc on arrive en plus dans le mois où que je vais commander. Donc vous inquiétez pas, je ferai montrer cette vidéo. Et voilà, bien sûr, il y aura des essais de vidéos, tout ça, donc tout simple. Voilà, et bien écoutez, à plus et bonne continuation, et je dis bienvenue aux nouveaux adhérents. Au revoir. Non, nouveaux abonnés, pardon, pas nouveaux adhérents. Bye bye.